L'éducation que j'offre est davantage axée sur la psychologie animale que sur les techniques d'entraînement. Elle n'est pas basée sur le dressage, mais sur la puissance de la relation que je développe très tôt avec mes chiens et que je renforce tout au long de leur vie. Mon approche est basée sur la volonté du chien à communiquer avec nous, se tenir près de nous, nous suivre dans nos déplacements et ce, sans utiliser ni signal ni commandement. Corps, cheval. J'utilise le dressage, donc la parole, à l'occasion lorsque je lui demande d'exécuter une action précise comme assis, couche, reste ou autre. Le dressage n'aidera pas un chien à se calmer, à ne pas sauter sur la visite ou à être équilibré mentalement. La relation et la réponse à leurs besoins de base, oui. Le titre de maître ne va pas de pair avec l'achat du chien. Il est acquis en posant des gestes précis au quotidien. Pour prétendre à une relation harmonieuse, il faut d'abord et avant tout combler les besoins de base du chien. Le maître a trois responsabilités non négociables. Il doit premièrement établir les règles. Ensuite, il doit récompenser les bons comportements et ce, sans modération. Et finalement, il est responsable de l'harmonie dans son environnement et partout ailleurs. Comme par exemple, mon chien se doit d'être gentil avec les enfants, mais les enfants n'ont pas le droit d'agresser mon chien. C'est quoi un chien? C'est un animal de meute. Il est donc important de l'inclure dans la famille et de le socialiser. C'est un animal hiérarchisé, ce qui n'implique en aucun cas la peur, l'agression ou les corrections abusives et injustifiées. La hiérarchie signifie simplement d'établir des règles et de diriger intelligemment. Le but de notre approche, ce n'est pas d'avoir un robot qui fonctionne que sur commandement, mais bien d'avoir un chien qui est intéressé à être en relation avec nous. Parce qu'avoir un chien équilibré, c'est avoir un chien plaisant au quotidien. C'est pourquoi je parle peu, mais je communique beaucoup.